C'est le jour Dragon Day 1. Et devinez quoi, on est en retard. On est en retard, genre blindé, plein de problèmes ce matin. À cause de toi, le retard, pas moi. Oui, à cause de moi. Moi, j'étais à l'heure. J'ai recommencé mon make-up, je crois presque, enfin deux fois. J'ai perdu mon piercing, enfin mon septum. Ce matin, j'ai été courir pour un rasoir à 7h du matin, pour rien au final, parce que... Le réveil a sonné, il a fait... Depuis hier, j'y pense, je dois aller chercher un rasoir. J'ai été chercher ce rasoir pour au final penser être à l'heure. J'arrive à 7... Je suis sorti à 7h30. J'arrive à 7h36. Au final, bah, je me suis quand même raté et j'ai quand même dû recommencer et tout. Donc, nous sommes en retard maintenant. Great! Mais ça va. On est beau, moi. Sur mes yeux, j'ai utilisé la palette James Charles et en part pailleté, j'ai utilisé le pigment Inglot et en coin interne, paillette de chez Evolue K. Et toi? Juste la Stacy Marie avec Be Perfect. Ah oui, moi aussi j'ai utilisé un fard de la Stacy Marie. Donc voilà, là maintenant on est en route pour le Dragon. Et on pensait que c'était 9 minutes, mais non, en fait c'est 20 minutes pour y aller. Ouais, genre 25 et il est genre 10h30 et ça ouvre à 10h. Great! On est enfin dans le bus. On a attendu 15 minutes pour le bus. Cette journée, c'est un supplice pour l'instant. On croyait qu'il y avait un métro, mais pas de métro. Vraiment, moi, ce qui me choque, c'est comment ça va passer. Déjà, comment ça va passer de 9 minutes à de 20 minutes de trajet. Vous l'avez vu? Je suis saoulée par lui. Moi, je suis en mille tonfée dans mon truc tellement j'ai froid. Et moi, je suis à moitié à poil. J'ai un truc trop fin. En dessous, j'ai un truc où il y a des trous partout. Oupsi. Il est trop en tissu partout, tu vois. J'avais pas vu ça. Oh, la tête que tu... Alors le gars il est à moitié à poil. Je rigole. J'ai bientôt beau en plus. And my makeup too. Pas de toi, les autres. Ouais, parce que deux mois, je crois pas. Non. Avec ces anglais, j'ai l'impression que je mets pas beaucoup de bronzer. J'ai l'impression que je suis toute blanche à côté des anglais. Moi aussi. Parce qu'ils mettent vraiment genre. J'avais... Et pourtant là, on voit. Non, mais le monde. Je m'attendais pas à ça. Tu. Oui. Et l'anglais, il est doux. Ah oui. J'en peux plus, on va jamais rentrer. J'ai envie de crever. Putain, mais c'est un supplice. Ah voilà. Ça fait 2 heures qu'on attend. Maintenant ils nous disent que. Ouais, 2h30. Ils nous disent maintenant qu'il y a trop de gens à l'intérieur parce qu'il y a trop de places qui ont été vendues, qu'il n'y a pas assez de places. C'est vraiment une blague. Cata. J'en peux plus. Mon œil pleure. Ouais. Ah, ça va pas en fait. On est enfin rentré.
around my house for dinner every other week. Check the wrong my wardrobe. They're saying, how do you make your guacamole? Crystal is saying, can I try on one of those dresses? I said, I don't have them in your size. Titties, you know, kill a man with my thighs. I love a lady who looks dangerous. Dangerous and white clean, which is important as dangerous well. Dangerous. Miss Charlie, Dame Charlie, let's look us through this ensemble. Does anybody remember this outfit from 100 years ago? I decided that I was changing from blue hair to the yellow hair, so I had to wear something that people would recognize me. Otherwise, if I wore something that they and nobody had ever seen before and changed my hair color, they'd think I was scaredy cat. Okay, so I'm sure some of you are probably wondering, like, oh my god, this is like the Virgin Mary, like a drag convention, like, what is she doing here? So I kind of want to contextualize this for you guys, okay? I descended from heaven, and I was looking for a place to belong, and this song is all about that. The greatest, but God is a misogynist. Still, I had his kid, and with him, I now live. I mean, I guess it could be worse, but still, I feel I am able. All for you, sing it. Voir le show drag qui était à 14h, de 15h jusqu'à 16h. Et là maintenant j'ai fait aussi une photo avec Alexis Matteo qui était trop gentil. Et là Malou vient de chercher à manger, moi j'ai pris une bouteille d'eau et on va aller voir un peu ce qui se passe en haut. Parce qu'on n'en peut plus, on a littéralement les pieds en feu. Les pieds c'est l'enfer. J'ai trop mal à mon pied, donc là on vient juste de revoir Cam tout à l'heure, pour les dragues françaises. Je voulais aller voir Blue, mais elle est plus là pour l'instant. Donc, et la file est... Genre, elle est pas dedans et il y a déjà une file de malade. Ouais, il y a une file de ouf ici. Tu montrerais peut-être son tour ce soir ou demain, je ne sais pas. Enfin bref, dans le vlog rentrant. Sûrement, en rentrant. Les achats qu'on a fait ici. Franchement, mon portefeuille, je l'ai vu là. Moi ici, hein, c'est money. J'avais dit quoi? J'avais dit que quand je suis ici, je dépense pas. Hein. Ouais, that's a lie. On a dit, non, on achète, on fait des shopping hier, mais aujourd'hui, on fera rien. Oui, de toute façon, on raconte, on n'a rien acheté. Hein. Franchement, on est des clowns et ici. Et heureusement, j'avais déjà la palette de chez Diplopax, je l'aurais acheté. Mais c'est sûr de le racheter. C'est sûr, je l'aurais acheté. Même toi, t'as dit, je veux en racheter une nouvelle. Mais si on a vu, j'ai envie d'acheter une deuxième, tellement flemme. Voilà, Malou va VDC, la plus belle. Mauvais angle, je suis horrible comme ça. Wow, she's gorgeous, she's amazing, wow. Bah du coup je vous ai complètement oublié, mais on est sorti du Dragon, on a été changer mon piercing, comme ça c'est prêt pour demain. On est passé vite au Superdrug et là on va rentrer à l'hôtel, puis on va chercher à manger, on va se poser. Parce que franchement cette semaine ça a été long, là on a mal aux pieds, on est fatigué, donc ça devient compliqué. Voilà, finalement on a commandé sur Deliveroo, parce qu'on voulait pas se déplacer. On est vraiment des nuls. On a pris quoi? C'était quoi? C'était grec, c'est ça? Ouais, c'est grec. En fait, c'est des souvlaki. Et ça, c'est du... Je sais pas, c'est une sorte de mayonnaise. Ouais, ça c'est une mayonnaise. Et ça, c'est une salade grecque. De chez eux, salade grecque et du pain pita comme en entrée. Et des souvlaki pour chacun pour un. Voilà. Je me suis toujours pas démaquillée. Voilà, donc on va y dormir bientôt. Enfin, maintenant, je pense. Et je vais aller me démaquiller. Demain, c'est le jour de Dragon. J'espère que ce sera bien. Parce qu'aujourd'hui, franchement, quelle journée. J'ai la flemme de me lever tôt, par contre. J'ai déjà changé mon piercing pour demain.
comme ça, c'est fait. Et voilà. Donc, à demain. Jour 2 du Dracon. Day 2, come on bitches. Et ça, c'est le look de Malou. Mais toi, t'es mieux, moi j'aime pas. Moi j'aime trop son look. Et je sens que je vais pleurer, yeah! Il y a juste de rentrer, il n'y a pas eu non plus de tour quand on est rentré comme ça, donc ça fait vraiment plaisir comparé à hier. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais donc voilà. Hello Dracon, day 2, guys! Là, on est dans la file pour aller voir Blue et on n'est probablement pas sûr, on va voir totalement pas sûr. Moi, je suis sûre que ça va s'arrêter là. Devant notre tronche, parce qu'elle va faire un show dans moins d'une heure et donc du coup, on va devoir rester pour voir la file quoi, pour être les premiers. Après. À terre. Ouais, heureusement que après, s'il y a le show, on vient voir d'en haut. Ok, bah alors là partira faire des vidéos, l'autre reviendra. Donc voilà, on n'aura pas pour le choix. Mais il y a plein de monde aujourd'hui comparé donc, à. 4 fois plus de monde hier. 3 fois. Ouais. Mais je comprends pas que hier, du coup, ils n'aient pas laissé les gens rentrer. D'où Gay marriage, having a house. Là maintenant, on fait la pub pour aller voir chez en espérant qu'on va la voir parce qu'il reste plus 10 minutes avant qu'elle fasse une pause et on est vraiment genre juste devant. J'espère qu'on pourra quand même la voir. Hein? J'espère qu'on pourra la voir. Moi j'espère de ouf aussi. Bien juste, j'ai juste faire la photo pour s'écouler et donc du coup ben, je la mettrai là la photo, enfin bref. Et là maintenant du coup on peut faire la file pour Blue mais la file VIP vu que j'ai déjà acheté un t-shirt Summer. Franchement on n'est pas loin du stand, genre on est là, enfin c'est là et moi je suis juste là. Donc là on attend juste qu'elle arrive et puis ce sera le meet and greet. Tellement gentille, ça m'a fait trop plaisir. Et elle adore son travail. Oui, elle adore mon travail. Elle a dit qu'elle voulait voir mon travail sur Instagram, que je devais lui envoyer un message et tout ça. Moi, ça fait toujours trop plaisir. Elle a dit que je ressemblais à Manny MUA again. Mais moi, je trouve pas. Moi aussi, je me dis, je trouve pas, mais bon, je leur dis. Merci. Bah, c'est peut-être la coupe, le fait que tu te maquilles, mais. Enfin, dans ce cas-là, on va y aller. On va vite faire un petit tour, regarder encore un show s'il y a encore le show. Normalement, il y en a un. Et puis on va y aller quoi, ce sera la fin du Dracon. Mais franchement c'était bien, c'était mieux aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas fait de file, mais il y avait beaucoup plus de monde. Genre on n'a pas fait de file dehors pour rentrer, donc on était au chaud, mais on a fait de la file de ouf à l'intérieur. Oui, on a fait de la file de ouf aujourd'hui à l'intérieur par pour contre. Pour Blue, on a attendu 2 heures au total. En fait. Ouais, c'est vrai, on a attendu 2 heures, c'est vrai. Et oh oui, j'ai dû payer un minimum de 25 livres. Mais vu qu'on avait fait la pile, je pouvais plus me dire j'ai attendu une heure pour rien. Donc du coup, ben, j'ai acheté. Heureusement que le t-shirt
Il était beau, hein, parce que sinon... Ouais, non, c'est clair. Et en plus, ta couleur préférée, donc ça va. Et sinon, t'aurais été genre... Oh. Franchement, s'il y avait zéro article que... Parfois, c'est juste une photo dédicacée ou un poster, ouais. C'est pas intéressant. S'il y avait zéro article... Non, en plus, la photo, c'est même pas assez pour faire la photo. Genre, la photo, c'est... Enfin, non, photo. Il faut acheter plusieurs trucs, du coup. Donc du coup, ouais, il faut... Après, ils vendent des préservatifs, donc au pire, tu fais un stock. Mais j'en ai déjà plein à la maison, donc... Juste d'arriver à l'hôtel, on a quitté le Dracon, on est parti chercher un petit quelque chose pour grignoter, enfin pour grignoter, pour surtout manger, se sustenter, comme dirait si bien Domia. Aujourd'hui vraiment la foule à l'intérieur, c'était incroyable, c'était en fait. C'était la folie, il y avait leur propre... C'était vraiment la folie, mais c'était supportable, c'est-à-dire que leur excuse d'hier que ce n'était pas possible d'avoir autant de gens dans l'Olympia, c'est que c'était faux, clairement. Pokémon, attrapez-les tous, Skellig. Yeah. Dans l'épisode précédent, Sacha... I'm so gorgeous, guys. Oh. Sacha avait tous ses espoirs sur... I'm gorgeous, guys. Demain, j'ai intérêt à être moche pour toi. Demain, j'ai intérêt à être moche pour toi. Pourquoi? Je te ferai moins chier, genre. Mais t'es jamais moche, mon mec. Oh, so cute. Il doit être genre 20h là maintenant et on va aller manger. Il y a mille fois plus des que glaces. Chez nous. Hein. De ouf, ça a l'air bon, oui. Ça. Et ça aussi. On vient juste de rentrer et le moment est arrivé. Mais oui. Hey, you are my brother. Je vais démaquiller ça. Là, on va se regarder un petit film, se poser tranquille. You are my brother. On va regarder Hollywood. You are my brother. C'était si gênant. Je suis genre, oh là là. J'ai continué ma vie, moi. Demain, je sais pas vers quelle heure on va se lever, parce que vous voulez se maquiller, mais franchement, j'ai envie de dormir, je suis crevé, j'en peux plus. À demain, bisous! Dernier jour à Londres. Donc on est sorti de l'hôtel, là, maintenant. On va aller manger, on va aller à Carnaby Street, Oxford Street, et on va prendre la ligne bleue Victoria Line pour y aller. Il y a des petites merdes. Ça, c'est mon make-up du jour, donc j'ai juste mis des strass et j'ai fait... Mon make-up, on va dire classique, un peu plus fort, de bronzer et tout, à l'anglaise. Et il y a juste eu un gros raté, j'ai du mascara partout. Donc, mais voilà, sinon, je suis plutôt content. Il y a Malou qui est derrière. Parce que complètement zappé. On a mangé, franchement c'était
trop bon. Enfin, je sais pas si toi t'avais bien aimé ton plat. Moi j'ai trop aimé le mien aussi. Et là on a fait un tour à Carnaby Street. Maintenant on va à Oxford Street. Et si on a encore du temps, on retournera à Carnaby boire un verre avant d'aller chercher nos valises et de rentrer à la maison. Who's the next clown? Me! Ah! Je me suis racheté une veste blanche, une doudoune blanche. Ça fait 67€ de repartie. Je sais pas comment je vais porter ma valise, la ring light, mes sacs qui étaient déjà en plus, plus ces sacs là. Retour à l'hôtel et on va chercher nos bagages, puis on va aller à la gare. On va sûrement aller se poser pour manger un truc ou prendre un truc pour manger dans le train. Et après, retour à Bruxelles. Et oui, c'est terminé. Pour tout ce qui est les achats que j'ai fait durant le séjour, je vais sûrement faire une vidéo haul si ça vous intéresse. Donc ça se trouve, la vidéo haul sortira avant même le vlog, donc je ne sais pas. Je verrai bien comment je m'organise. On termine le vlog ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ce voyage. J'ai eu du mal au début à faire le vlog, mais au final, j'y ai pris goût. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce que je fais, je vous laisse donc aller me suivre sur mes réseaux, donc qui est Instagram, Twitter et TikTok. Tous les mêmes, medglow, donc med.glow. Il y a juste Twitter où il n'y a pas de point, il me semble. Donc voilà, je mettrai tout ça ici. Toutes les infos seront en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions, ben, on se voit dans les commentaires. Bisous!